immobilier. Là, tu as la mosquée bleue. Ouais. Une zone assez touristique. Très populaire. Très populaire. L'un des endroits les plus sollicités, comme on le voit. Maintenant, le paysage est assez beau, reposant, tranquille. Ouais. Après le business, il faut se détendre. Demain tu quittes pour le Gabon? Ah, demain je rentre au pays, il faut bien rentrer. Même si on aurait voulu que le séjour se prolonge, mais bon. À un moment donné, il faut rentrer. Mais très satisfait du séjour. Très satisfait. Le service était comment? C'est quand même. On parle quand même de Samuel. Ça ne peut qu'être bon. Donc très satisfait dans la qualité du service. Sur le plan touristique, les endroits visités, si on prend du business professionnel, tranquille, rien à rajouter. Qualité au rendez-vous. À conseiller? À conseiller. Les Turcs. Vis-à-vis des Turcs. Vis-à-vis des Turcs, au début, je pensais que c'était quand même des gares assez fermées. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils sont très ouverts, accueillants. Voilà. Il n'y a pas trop de distinction entre l'étranger et celui qui est là. Bon, dans l'ensemble, je n'ai pas remarqué une certaine xénophobie ou quoi que ce soit. Tranquille. Il n'y a pas eu de... Bien au contraire, j'ai été bien accueilli. Donc. Elle est encore plus belle. Elle est plus belle. Ouais. Il n'y a pas que la mosquée bleue. Hein. C'est ce que je constate. Que ce soit ce pourquoi on vient, que ce soit sanitaire, business, c'est souvent important aussi de s'arrêter une minute et de profiter. Souffler. De souffler un peu. Et de profiter aussi de l'environnement. De l'environnement. Ouais. Et de la ville parce qu'il y a tellement de bonnes choses à voir.